Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec Jean-Claude et son fils Pierre Biver. Bonjour à vous. Bonjour. Merci en tout cas de m'accueillir. Merci à vous de nous donner l'opportunité de nous exprimer. Bien sûr. Et donc, dans cette vidéo, justement, on va parler de votre marque que vous allez sortir. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? Qui c'est qui commence? Étant donné qu'on est avec un jeune pour une fois, Allez. je rigole. Alors on a décidé de créer cette marque. Bon, il y a quelques mois de cela, mon père l'a annoncé à la radio. C'est un projet qui était dans le pipeline depuis un petit moment entre nous deux, je pense depuis un plus long moment dans son esprit à lui. Il a quand même commencé sa carrière en étant indépendant avec Blancpain, entrepreneur, créé sa propre marque. Donc je pense que c'est toujours quelque chose qui lui est resté. Avec Hublot, on a vu aussi un peu les prémices de ce que ça pourrait donner qu'il fasse sa propre marque. C'est un projet qui nous tient très à cœur parce qu'on est deux passionnés d'horlogerie et de la même horlogerie. Aujourd'hui, on décide de se lancer en plein milieu d'une industrie qui est en plein changement, en pleine mutation, qui grandit exponentiellement vite, avec pas mal de défis, pas mal d'enjeux, pas mal de questions aussi, des doutes. Et je pense que nous, ce qu'on a envie de faire, c'est faire ce qu'on aime, vivre notre passion et en guillemets, louer un peu la carrière exceptionnelle qu'il a eue, les expériences qu'il a eues, et puis créer une marque qui reflète tout ce parcours. Et puis enfin qu'il arrive sans restriction, sans contrainte, juste libre de pouvoir faire ce qu'il a envie, comme il a Se envie, redémontre. et enfin mettre ce nom qui résonne dans l'horlogerie sur un cadran et le faire vivre avec des mouvements, des montres magnifiques. Et on dit que le logo justement de la marque a été très inspiré enfin du logo Blancpain. Est-ce que c'est vrai? Alors, qu'il soit inspiré de Blancpain, c'est presque normal parce qu'on pourrait presque dire qu'il est inspiré de moi, puisque j'étais Blancpain. J'ai fait Blancpain de A à Z. C'est-à-dire, on a acheté la marque en 1981, si je me souviens bien, pour 21 000 francs suisses. Parce qu'il n'y avait plus rien. Donc nous avons acheté que le droit au nom. On n'a pas pu acheter. Il n'y avait plus de fabrique, il n'y avait pas de machine, il n'y avait pas de collection, il n'y avait pas de personnel. Il n'y avait rien. Mais il y avait le nom Blancpain qui était protégé, que nous avons acheté pour 21 000 francs. On a continué donc à protéger le nom et puis après on a développé Blancpain de A à Z. Et. C'est donc moi qui l'ai développé. Et quelque part, quand on développe quelque chose, il y a toujours une partie de soi-même. Et ce qui est resté chez Blancpain, c'est bien entendu des inspirations que j'ai eues et que j'ai mises sur papier, dont on ne peut pas nécessairement se débarrasser complètement. Chaque être humain, chaque artiste a un certain style et quelle que soit l'année de ses œuvres, on reconnaît un certain style. Donc, il se pourrait que ça puisse ressembler, oui. Mais d'un autre côté, quand on écrit BIVER, c'est cinq lettres, et Blancpain, c'est quand Ça n'a même rien à voir. un nom un peu plus grand. Mais c'est vrai qu'il a des lettres communes, En notamment en commun. début de nom. Et j'ai C'est vrai. trouvé les lettres de Blancpain ou les lettres de Biver, je les trouve très belles et je les trouve vraiment discrètes mais marquantes quand même. Beauvais aussi, à ne Ouais, pas c'est oublier. vrai, pas mal. Oui, Beauvais. voilà, donc voilà, mais je ne conteste surtout pas quand on me dit ça ressemble, ça doit ressembler, c'est Ah, comme mon Blancpain. fils qui est de moi, il doit me ressembler quelque J'ai part. encore un peu de cheveux. Non, mais J'espère pas les perdre il y a forcément des d'ici 30 ans. ressemblances, donc je ne conteste pas cet avis. D'accord. Mais quels seront les modèles du coup de cette marque? Les modèles? Oui, et les différentes complications. Alors tout d'abord, je pense que l'idée, c'est que peu importe ce qu'on va faire, les montres seront d'une qualité exceptionnelle. On vise vraiment un segment d'industrie qui est
au plus haut niveau de la finition, du design, de l'esthétique, la haute horlogerie. Des complications. On a vraiment envie de faire vivre notre passion, ce qu'on aime de l'horlogerie, et le faire au mieux. Et on a envie de... Pour nous, le luxe, l'excellence, commence là où le visible n'est plus assez. Vous voyez, vous regardez un mouvement, vous regardez à travers le fond de boîte, c'est magnifique, beaucoup de gens les finissent très bien, mais qu'est-ce qui se passe derrière un cadran? Et, ou si vous enlevez le cadran, qu'est-ce qui se passe si vous prenez un microscope et vous regardez les vis? Tous ces petits détails qu'on ne perçoit pas forcément à l'œil nu, c'est exactement ce genre de détails qu'on a envie de mettre toute notre attention, tout notre effort dessus, et le faire avec les meilleurs et les gens qui ont le plus de compétences dans chacun de ces domaines-là, de la boîte au bracelet, à la barre pour les bracelets et autres. On a envie que tout soit fini à l'excellence, une montre qui a sans concession, sans restriction, sans contrainte budgétaire, esthétique ou autre. On a envie de faire quelque chose qui est juste un pur produit né de notre passion et de notre amour aussi. Sans limite. Et si on va à l'extrême, on devient anti-commercial, on devient anti-rentabilité, et ça nous est aujourd'hui égal, parce qu'on veut se débarrasser de toutes les contraintes que j'ai eues pendant tout le long de ma carrière, je peux dire. Et aujourd'hui, c'est la première fois que je vais aller sans aucune concession, sans aucune contrainte, sans aucune limite, et je vais entrer dans des territoires dans lesquels je n'ai jamais été. Parce que toute ma vie, j'ai eu des contraintes, forcément, budgétaires, clientèles, etc. Là, c'est terminé. Et puis, pour résumer le niveau de qualité qu'on veut obtenir, qui est un niveau que j'appellerais, moi, qualité musée, qu'on retrouve surtout sur les pièces anciennes, c'est une qualité qui est quasiment... qui est née de la maîtrise de l'invisible. Savoir maîtriser ce qui est en principe invisible. C'est comme disait Pierre, l'envers d'un cadran, il doit être aussi beau que le bon côté. Or, les cadrans, quand on les met à l'envers, ils sont souvent absolument pas travaillés parce qu'il n'y a pas une nécessité, puisqu'on ne le voit pas. On ne voit que le côté visible du cadran. Donc, c'est la même chose avec les vis. Les vis, il faudrait toutes les polir, polymiroir, polynoir, polybloqué et anglais. Or, à un moment donné, si vous avez 70 vis dans un mouvement, ça augmente beaucoup les frais. Et ça doit nous être égal. Nous ne devons pas répéter ce que nous avons déjà fait. On doit aller maintenant vers des territoires qu'on n'a jamais osé approcher précédemment parce que c'était trop cher, parce que ce n'était pas assez rentable, parce qu'on ne pouvait pas faire des quantités suffisantes, etc., etc. Maintenant, c'est fini. On y va, point à la ligne, sans aucune retenue, sans aucune contrainte. Évidemment, c'est facile de faire ça quand on a déjà 50 ans d'expérience, et quand on a déjà accumulé quelques fonds, mais justement, c'est parce qu'on peut le faire maintenant qu'on le fait maintenant. D'accord. Et, mais du coup, Pierre, mais quel sera ton rôle dans la marque? Alors, on fonde cette marque, les deux. Ce sera vraiment quelque chose qu'on va bâtir sur deux générations, lui et moi, et avec cet esprit de transmission, cet esprit aussi de succession. Aujourd'hui, je suis un peu son apprenti, son ombre, ses yeux, ses oreilles. Je fais un peu tout ce que j'essaie d'être un peu son sherpa, porter un peu Grâce à mon sherpa, je vais arriver au sommet de l'Everest. Bon, après, il y a un débat parce que souvent les sherpas sont plus compétents que les alpinistes, mais très très souvent. Mais du coup, c'est peut-être un exemple un peu tiré par les cheveux, mais concrètement, c'est l'aider, l'assister de la meilleure façon possible, tout en apprenant, mais sans jamais
pas dire ce que je pense, pas lui suggérer des choses. D'accord. Et on a vraiment cette dynamique, on est très complémentaires. On a une excellente relation, disons, personnelle. Ouais. Enfin, je sais que les gens le présument parce qu'on fait ce projet, mais c'est bien de le rappeler. Où on peut communiquer très facilement, il est très à l'écoute, c'est quelqu'un qui est très exigeant. Il faut une certaine rigueur pour travailler avec, il faut être, faut être exigeant avec soi-même aussi. Mais toujours très à l'écoute, on communique, on va vraiment créer ce projet du sol. Enfin, ouais. On va le construire et le construire ensemble, ce qui est quelque chose qui se voit très rarement dans les marques familiales. Souvent, vous avez une marque qui est construite par une génération, peut-être deux frères ou deux sœurs ou un frère, une sœur ou tout, un individu tout seul, qui ensuite se construit, prend de la substance et ensuite transmis à la deuxième génération, qui continue à bâtir, qui le détruit, qui le change de direction, peu importe. Mais c'est rare de voir une marque qui se construit à deux générations ensemble. Mmh. Et c'est vraiment ce qu'on va tenter de faire, construire, faire vivre cette marque pour qu'elle puisse un jour... très clairement passer de deux générations à une génération, puis ensuite en espérant à une autre génération, à une autre génération. Et ainsi de suite. Je n'y avais pas pensé, mais on est presque les seuls. Le seul père et fils qui construisons une marque en partant de zéro aujourd'hui. Il y en a eu avant, bien sûr. Mais quelle est la marque père et fils qui se construit aujourd'hui en partant de zéro? C'est vrai. Il n'y en a pas, à mon sens, il n'y en a pas. En tout cas, au niveau où on va aller, il n'y a pas. Qualité musée, il n'y a pas. Okay. Et je pense que c'est un grand argument pour bien mettre en lumière aussi le fait que ça va être un grand plus dans le côté dynamique de notre projet. Certes, on veut respecter la tradition, les expériences, la connaissance, la mémoire, comme mon père l'incarne, mais répéter ce qu'on sait, répéter ce qu'on a déjà fait. Il n'y a pas d'âme dans la répétition. La répétition, c'est comme une nature morte, c'est plane, ça ne bouge pas. Ce qu'il faut apporter, c'est de l'évolution, du dynamisme. Et je pense que le fait d'avoir cette dynamique-là entre nous, qui commençons cette marque, ça promet de donner dès dès le moment où ça va vraiment naître, ce dynamisme-là. Parce qu'il est, c'est une création autour de deux générations, on tire les deux dans deux sens différents. Ou dans le même sens. Donc soit on va plus vite dans un sens, soit on bouge pas, soit il y en a un qui tient un peu plus fort, peu importe dans nos décisions qu'on prend, mais on a cette essence qui est d'évoluer. Bien sûr. Peu importe le sens, et on va surtout rester loin de la répétition, comme on peut le voir aujourd'hui dans certaines marques, dans l'industrie horlogère, qui malheureusement souvent des fois se voit un peu trop répétitive, où on essaie toujours de répéter des choses, etc. Bien sûr, on peut argumenter que le produit horloger, la montre, c'est une montre qui est faite pour, en principe, l'éternité. Donc, c'est normal que ça prenne du temps à changer. Mais voilà, on essaye de faire au mieux pour faire évoluer et puis pas seulement répéter le passé. Bien sûr. Du coup, mais j'imagine que vous avez dû penser au tout premier modèle. Bien sûr, on a dû penser au premier modèle, on a pensé au deuxième, on a pensé au troisième, on a pensé au quatrième. Et c'est facile de penser au premier, deuxième, troisième, quatrième quand il n'y a pas. Oui. C'est-à-dire quand toutes les montres, quelles qu'elles soient, ont le même boîtier, les mêmes cornes, la même lunette et ressemblent absolument aux autres. Donc nous, notre concept, ce n'est pas d'avoir des différents modèles, c'est d'avoir la variante des mouvements. Selon le mouvement que nous mettons dedans le boîtier, nous avons un cadran avec l'indication des jours, des mois et la date, ou bien avec l'indication du temps écoulé, le nombre de secondes, le nombre de minutes, ou bien une répétition minute, ou bien même une world timer. Donc les variantes sont données par la variété des mouvements. Il y a des mouvements qui sonnent les heures, il y a des mouvements qui indiquent l'heure universelle, il y a des mouvements qui indiquent l'heure, le compte à rebours, etc. Donc, dans ce sens-là, il m'est facile de dire que même les quatre modèles auront la même boîte. Bien sûr que pas exactement la même épaisseur,
forcément. Mais en tout cas, c'est le boîtier restera fondamentalement au niveau des yeux identique, d'accord, quel que soit le mouvement qu'on met dedans. Donc, la collection prend naissance par la variété des mouvements et non pas par la variété des formes de boîte. D'accord. Alors, il est plus facile de donner naissance à une collection en faisant des boîtiers différents, ronds, ovales, carrés, octogonales, etc. Ça, c'est relativement facile parce que c'est un travail de bijoutier. On travaille le boîtier. Par contre, si on vous dit « tu as quatre fois le même boîtier, fais de cela quatre montres différentes », on fait comment ? Eh bien, tu dois mettre à l'intérieur de ces quatre boîtiers quatre mouvements horlogers qui sont différents l'un de l'autre par leurs indications et ça te fera à ce moment-là une variante. D'accord. Donc, donner naissance à une collection par le changement de mouvement est beaucoup plus important et plus intéressant que le changement de couleur de cadran ou de changement de forme de boîtier. Et sur quel type de distribution on sera ? Très exclusive. On sera sur, allez, on va dire le chiffre haut, on sera sur 15 magasins, joailliers, détaillants. 15 auront la responsabilité et le plaisir de vendre nos montres. Et on espère fabriquer cette année, enfin l'année prochaine, 35 montres. Donc, 10 détaillants l'année prochaine, 10 à 15, vont s'occuper de promouvoir et vendre 35, et si tout va bien, jusqu'à 50 montres. Donc, c'est une distribution très exclusive, très restreinte, très confidentielle, et c'est ce que nous voulons. Donc on a, et en plus, cette distribution ne sera exclusivement des magasins, ce qu'on appelle des détaillants, qui vendent d'autres marques. Nous n'aurons pas de monomarque, on n'aura jamais notre magasin à nous. Nous ne vendrons jamais sur Internet. On ne vendra jamais sur certains sites. Et puis, pour finir, on ne vendra jamais nous-mêmes. Oui. Donc, toute notre production va aller à travers les 12 ou 15 détaillants qui sont qui vont être nos ambassadeurs. D'accord. Vraiment un modèle de distribution très, très traditionnel comme se faisait l'horlogerie de l'époque. Ouais. Très retour aux sources. Un retour aux sources pur et dur. Exactement. Mais ce qui fait du sens aussi, parce que 40 ans après que Blancpain soit créé pour sauver la montre mécanique, relancer cet artisanat et cette façon de penser en plein milieu de la crise du quartz, aujourd'hui, même si l'horlogerie est en pleine expansion exponentielle, on peut dire qu'elle est en quelque sorte en crise. En crise de la façon de produire, tout le monde veut être manufacture. Aujourd'hui, on perd beaucoup d'artisanat, de savoir-faire, de connaissances et de petits artisans. En la crise de la distribution, tout le monde veut leur propre magasin. On oublie les détaillants qui ont fait l'horlogerie, qui ont créé ce monde comme tel qu'il est aujourd'hui. Dans la crise du marketing, où on perd pas mal d'originalité, où tout le monde veut faire un peu la même chose, où il y a moins de dynamisme que dans le passé. Donc on est vraiment dans une époque où, même si c'est un peu une crise en expansion, où aujourd'hui on a vraiment l'idée retour à la distribution traditionnelle, retour à la production traditionnelle avec des fournisseurs qui ont des compétences bien meilleures que les nôtres, et que jamais on voudra être une manufacture à part entière. On voudra toujours avoir des gens qui ont des compétences meilleures. Le fabricant de vis, qui ça fait 6 générations que la famille fabrique des vis, saura... Enfin, pour toujours, saura faire des vis mieux que quelconque autre manufacture. C'est normal. Donc, et même le marketing, aujourd'hui, nous, on va avoir une politique de zéro marketing, zéro pub. La communication se fera à travers nos produits, à travers nos partenaires, nos détaillants et à travers nos clients. Bien sûr. Donc, on a vraiment l'idée fondamentale du projet qu'on mène est finalement pas très différente de celle de Blancpain à l'époque.
où c'était aller à contraire, au sens de contraire de ce que l'industrie fait aujourd'hui. Alors, et aller un peu dans une situation, pas pour les mêmes raisons et pas de la même façon, mais aussi dans une certaine crise aujourd'hui. Complètement. Bah, merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Merci à vous. Et puis dites-nous ce que vous pensez, du coup, de la marque JC Biver. On attend vos commentaires, on en a besoin pour évoluer. C'est ça, donc dites-nous tout ça dans les commentaires de cette vidéo et on vous dit à la prochaine. Salut. Merci, au revoir.